fait face à Anvers, c'est dommage vu le scénario du match. Ouais, c'est vraiment dommage, surtout qu'on prend ce but sur une petite erreur, mais bon, on aurait aimé au moins prendre un point, ça c'est sûr, parce que même on voit qu'au niveau du classement, ça se resserre derrière, donc c'est vrai qu'un point aurait été bien. Bonne reprise quand même après le but. Ouais, bonne reprise, on a continué à jouer, à essayer de se procurer des occasions. De toute façon, je pense que c'est ce qu'il faut faire, toujours continuer à jouer malgré le résultat et pas fermer, rester derrière et ne plus jouer parce que c'est pas là où on a fait nos meilleurs résultats, donc toujours continuer à jouer. On manquait un peu de précision, peu de bonheur aussi, je pense. Ouais, je pense, surtout en première mi-temps, il y avait quand même pas mal d'espace pour pouvoir sortir. En faisant 2-3 passes et changer le jeu, mais on n'a pas toujours réussi à le faire. Et ça, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. En deuxième mi-temps, il y avait un peu plus d'espace pour pouvoir jouer. Et c'est vrai qu'on a manqué un peu de percussion et un peu de précision dans nos dernières passes. Et... Face penalty, deuxième mi-temps. Ouais, il y a ce penalty qui aurait pu être sifflé. Bon, ça, c'est les aléas, on va dire. Maintenant, c'est vrai que ça nous fait du mal au niveau comptable, au niveau des points. Donc maintenant, il faut aller à Eupen, il faut au moins ramener un point. Ce n'est pas une obligation, mais franchement, dans les têtes des joueurs, pour nous, il faut au moins ça. Comme je dis, parce que derrière, ça revient, donc c'est très important. Pas facile, nouveau, à Eupen. Non, pas facile. Maintenant, quand on voit qu'on est capable de tenir tête à des équipes comme Anvers, Eupen... Je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc, non, on va aller là-bas sans complexe et sans avoir peur et en jouant. Donc voilà. Merci bien. Een korte vertaling van de woorden van Maël Lipicier. Spijtig dat we vandaag geen puntje konden pakken, want door een doelpunt met een foutje, eindelijk een foutje bij het doelpunt tenminste, kost ons uiteindelijk dat ene punt. Want ik denk dat we het wel zouden verdiend hebben. Zeker voor ons klassement was het heel belangrijk om die top 8 te halen, dat we dat puntje kunnen grijpen. Eerste helft misten we misschien een beetje te veel de kansen om het spel te verleggen. Tweede helft ging dat wel goed en hebben we de ruimte goed proberen te benutten, maar dan ontbrak het ons aan precisie en de nodige dosis geluk. Spijtig ook dat we geen strafschop kregen bij dat Hens-geval, want dat zou misschien de kans op 1-1 nog een stukje groter gemaakt hebben. Vrijdag reizen we nu naar Eupen, waar het ook niet gemakkelijk wordt, maar we moeten er zonder complexen en zonder angst naartoe gaan om er het beste van te maken.